Tim Spooky! Oh! Hé! Tim Spooky! Réveille-toi! Oh, réveille-toi! Tim Spooky! Hé! Mec, réveille-toi! Oh! Réveille-toi! Oh, j'ai la lumière dans les yeux! Désolé, mais là, hé! Y'a une dinguerie, y'a une dinguerie! Y'a quoi? Tu vas pas me croire, je le sais, mais mec, écoute-moi bien! Il y a une tengue-tengue en plein dans le salon! Il est posé au canapé, je te jure, c'est une dinguerie! Mais viens voir, viens voir! Non, mais laisse-moi tranquille, gros! Non, mais tais-toi là, Robtek! Il est 3h du matin là! Là, je dors, gros! Va-t'en! Avec ta caméra en plus! Laisse-moi, gros! Attends, les gars, je vais vous montrer! Attendez, regardez, je vais descendre, les gars! Attendez, regardez au salon! Vous allez voir, regardez au salon, les gars! Là, regardez! Il y a le tengue-tengue, les gars! Mais je sais pas ce qu'il fout là, il y a même le chat à côté, regardez! Mais non, mais gros! Ok, vite! Oh! Sim Spooky! Mais Sim Spooky, oh! Réveille-toi! Oh non, mais qu'est-ce que tu saoules là? C'est pas une blague. Pourquoi tu reviens? Tu sais très bien, j'ai envie de dormir là, laisse-moi! Mais mec, il y a le tengue-tengue au salon, gros, viens voir, je te jure, c'est une dinguerie, viens voir! Non, mais tu te fous de moi là, arrête! Non, mais c'est pas sérieux là, Robtek, je te jure que si tu te fous de moi, là ça va pas le faire, hein, ok? C'est pas une blague, vraiment, tu vas voir, bah vas-y, tu vas voir! T'es sûr, je te fais confiance, hein! Eh non, mais je te jure que si c'est un prank ou une blague du genre, ça va pas le faire là, Robtek, hein! Mais non, il y a vraiment pas de blague. Tu me le jures? Vas-y, vite, dépêche. Ok. Vite, va voir. Je vais aller voir. Allez, va voir, dépêche. Ok, attends, tranquille. Regarde, direct au salon, regarde. Ah bah y'a rien. Non mais Robtek, y'a rien du tout, y'a que le chat, regarde. Impossible. Regarde. Pousse-toi, attends. Il est où le tengue-tengue là? Mais non, mais je te jure qu'il était au salon. Non mais Robtek, tu m'as fait encore une blague, tu t'es foutu de moi là, vas-y, je m'en vais redormir dans ma chambre, ça y est. Non mais attends, mais c'est pour qui c'est vrai. Laisse-moi tranquille. Attends, mais mec, je te jure qu'il était vraiment là. Laisse-moi. Non mais tu te rends compte, t'as carrément cassé mon sommeil. Allez. Désolé. Coupe cette caméra, laisse-moi m'endormir. Mais c'est pas possible ça, j'y comprends plus rien moi. Il était là, on l'a tous vu, il était au salon, il y avait le tengue-tengue. Et on y retourne, on va y retourner, on va aller revoir les gars. Non mais pourtant on l'a bien tous vu, il était au salon les gars. Non mais à ce stade là, Sim Spooky va me prendre pour un fou. Je retourne au salon, on va voir. Non mais sérieux, c'est une blague ou quoi? Il est là! Regardez! Il est là! Mais regardez! Mais tengue-tengue au canapé! Mais non! Mais là c'est bon, vite! Sim Spooky! Oh! Sim Spooky! Réveille-toi! Non! Viens tout de suite! Non mais là tu me trolls! Non, c'est pas une blague! T'es sûr? Je te jure que là cette fois là c'est vraiment Non, je te crois pas! Laisse-moi! Mais viens tout de suite tant qu'il en est encore temps! Je te jure, il y a le tengue-tengue, il est au canapé! Il est même en train de caresser notre chaton! Bon bah tu me laisses le temps d'enfiler mon t-shirt et j'arrive, hein! Oui. C'est la dernière fois là, hein! Non, mais vite, mais dépêche-toi par contre! Vite! Va voir! Oh là là! Dépêche! J'espère que là c'est pas du troll, hein! Non, là c'est pas une blague, là je te jure que là il est vraiment là! Attends, tous là! Oh! Ah ouais, regarde! Ah ouais, là pour le coup je te crois! Il y a le teng-teng! Mais qu'est-ce qu'il fait là? Regardez! Mais voilà! Je te le disais, je te l'avais dit depuis le début! Pourquoi tu voulais pas me croire? Ah là, désolé Robtek, mais au début, quand tu m'as appelé et que je suis descendu et qu'il y avait rien du tout, je l'ai vraiment mal pris quoi! Je pensais que tu te moquais de moi et que c'était un prank! Bah non, c'est pas un prank! Mais qu'est-ce qu'on fait là? Bah je sais pas! Attends, c'est chelou! À toi de me dire! Qu'est-ce que fait le teng-teng dans notre maison? En plus, là, vu qu'il est 3h du matin, ça a l'air un peu chelou, non? C'est louche! Et qu'est-ce qu'on fait? Bon bah là, je pense qu'il s'agirait tout simplement de se mettre en mode espion, tu vois ce que je veux dire? Ouais, discret. Attends, regarde. Attends, mais c'est moi qui joue avec des nerfs. Mais oui, regardez les gars, je joue avec des nerfs. Viens, on s'approche. Il a volé nos nerfs. Mais ouais, je crois qu'il a clairement fouillé dans tous nos placards pour nous piquer nos nerfs. Ouais, c'est vrai. Regarde, qu'est-ce qu'il fait? Il joue avec les nerfs. Je sais pas, dans Fortnite ou quoi? Je sais pas. Attends, viens, moi je propose qu'on continue à l'espionner. Viens. Cache-toi derrière le mur. Viens, rapproche-toi. Mais Robtek, faut clairement pas se faire repérer, sinon il va nous tirer dessus avec son nerf. Faut faire attention, hein. Oh, il est chaud, les gars.
Hey, il est vraiment chaud, 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 là, le Teng-Teng, hein. Discret, discret, surtout, Hein, mais attends. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce qu'elle fait, là? Hein, y'a, oh, regarde, y'a Spooky, qu'est-ce qu'elle fout, là? Attention à toi, Teng-Teng. Ils sont vraiment en train de s'amuser ensemble. Vas-y, Teng-Teng, t'es chaud, on fait une petite bataille de nerf, là, maintenant? Oh, ouais, vas-y, je suis super chaud. Ok, c'est parti. C'est quoi cette dinguerie? Qu'est-ce qu'elle fout là, y'a Spooky? Je sais pas. Mais ils sont en train de se faire une bataille de nerfs comme ça, dans le plus grand des calmes. Mais quoi? Regarde. Le Teng-Teng qui rafale. Eh vas-y. Attends, mais on s'inviterait pas à faire la partie de nerf avec eux, non? Non, tranquille. Moi, je propose qu'on les espionne. Hein. Non, mais en fait, je comprends pas. Je pensais pas que Yaspooky connaissait le Tengue Tengue. C'est mais ouf. Mais c'est dingue, ça. Teng-Teng, là. Oh, tiens, prends ça. Attends, mais ils ont encore fait de bataille de nerf. C'est dingue, ils ont l'air de bien s'entendre, ces deux-là. Teng-Teng, viens par ici. Ça y est, c'est bon. T'as gagné. Viens, on fait la paix. C'est bon, t'as gagné. Allez, tu voudrais pas qu'on fasse des petites danses TikTok ensemble et tout? Comme ça, tu la vois danser. Spooky, tu vois ça? Mais ouais, je vois ça, mec. Ils ont l'air d'avoir une très très grande complicité. C'est une dinguerie, là. Et allez, viens, on danse. Mais attends, mais c'est quoi ce délire? Mec, là, je suis choqué. Viens par ici. Spooky, t'étais au courant de tout ça? Mais non, j'ai l'impression qu'ils ont vraiment l'air d'avoir une très très grande complicité. Mais c'est pire que ça, on dirait, là, non? J'ai l'impression que Yaspooky est en crush sur le Teng-Teng, mec. Je te jure. Il joue avec les nerfs, maintenant il s'amuse à faire des petites danses romantiques en plus. Hey, non mais la Robtech, je vois quand même qu'ils sont très très tactiles, hein. C'est dinguerie. Regarde gros. Oh mais là c'est une dinguerie, je sais pas quoi faire, je me sens regarde, gêné. Ils sont un câlin. Je me sens clairement gêné, gros. Waouh. Je veux pas voir ça, moi. Les mecs, ils se sont littéralement embrassés, mec. Oh bah moi, je te le dis direct, on va continuer à espionner, hein, ok? Ouais, vas-y. Voilà, j'ai un petit cadeau pour toi. Tiens, une petite rose pour toi. Oh, merci beaucoup, Teng-Teng, c'est super gentil. Ils sont amoureux. Ils se kiffent. C'est un truc de fou. C'est quoi la dinguerie? Non mais là ça va vite, hein. Ça va vite là quand même, Robtech. Mais le Teng-Teng Teng-Teng est en train de pécho Yaspooky. Mais oui, c'est une dinguerie. Quoi? J'ai jamais vu Yaspooky aussi heureuse. Mais ouais, c'est vrai ça. Que je t'apprenne la danse du Teng-Teng. Oui, on peut apprendre la danse du Teng-Teng. Vas-y. Allez, mets-toi, viens à côté de moi. Ok. Ils vont clairement faire la danse du Teng-Teng. Observons tout ça. C'est une dinguerie. C'est clairement un truc de fou ce qui est en train de se passer. Regarde. Mec, je comprends plus la situation là. Je suis dépassé clairement par les événements. Teng-Teng, ça dirait qu'on regarde des TikTok les plus populaires sur la télé. Ouais, vas-y, ce serait super. Vas-y, c'est parti. Allez, hop, j'allume. Ils se sont mis sur la télé, sur le canapé. J'ai peur, mec, il se passe des dingueries. Moi, je te le dis. Ils se rapprochent de plus en plus. Ils sont vraiment très 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 proches, ceux-là. Hein. Teng-Teng, regarde, c'est super drôle. Elle lui a mis le bras autour du cou. Eh, le Teng-Teng, c'est un très très grand séducteur. T'as vu ça ou quoi? Ouais. Il a des techniques d'approche et tout. Ça a l'air de bien marcher. Regarde, elle a carrément posé sa tête à côté c'est de lui. C'est une dinguerie, mec. Ils sont amoureux, c'est sûr. Ouais, ils se kiffent. Ouais, c'est sûr. Je leur donne pas 5 minutes avant qu'ils s'embrassent, hein. Moi, je te le dis, hein. On va pas rater ça, hein. Non, mais qu'est-ce que t'en penses, Robtech? Et qu'est-ce que vous en pensez, vous aussi, les abonnés? J'ai l'impression que le Teng-Teng Teng-Teng et Yaspooky sont en love. Oui, ils sont en couple. Moi, je suis. Dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez en commentaire? Attends, regarde ce qui se passe là. Regarde, Teng-Teng, c'est super drôle. Attends, moi, tu sais quoi? J'ai envie qu'on essaye d'aller de l'autre côté. Comme ça, on va pouvoir voir ce qu'ils sont en train de regarder sur la télé. Ouais, c'est une bonne idée. Viens. T'es prêt? Je te suis. Il faut pas qu'on se fasse cramer bêtement. Vas-y, maintenant. Ok. Wow, Teng-Teng, c'est super stylé. Ok, ça y est. On les voit de plus près en plus. Regarde. Oh,
mais attends, il regarde ses propres vidéos. Mais oui, oui, c'est lui qui passe dans l'écran de la télé. Ouais, mec, mais ouais, c'est une dinguerie, il est en train d'épater Yaspooky, regarde. Ouais, il fait attends. Ça pour la draguer. Attends, je crois qu'il y a un petit rapprochement là, regarde. Oh, Ting, franchement, j'aime trop tes TikTok. En plus, t'es super connu, c'est trop trop bien. Waouh, waouh, Ting. Comme moi là. Ils se sont embrassés carrément. Oui. Attends, non mais ses mains, oui, ils continuent à se faire des câlins et des bisous, c'est oh, une dinguerie. Je suis super contente, j'ai passé une super journée avec c'est toi. Chaud. Oh, oh, t'as fait quoi? Je sais pas, il y a quelque chose qui est tombé par terre. Il y a quelqu'un? Oh, mais les gars, qu'est-ce que vous faites? Mais quoi? Mais vous êtes sérieux? Vous êtes en train de m'espionner? Non, pas du tout. Non. Rien du tout. On était juste en train de faire la poussière. Enfin, tu vois, on nettoyait la maison. Enfin, tu vois, on tranquille. On ramassait un petit truc par terre. Mais vous êtes qui, vous deux là? Vous sortez d'où là? Mais toi, t'es qui, surtout? C'est moi. Mais laissez-le tranquille. Et d'ailleurs, pourquoi est-ce que vous m'espionnez, bande de menteurs? Mais non, mais on t'espionne pas du tout. Non, viens, Ting, allez, on s'en va d'ici. Franchement, vous êtes trop méchants. Vous êtes trop méchants à m'espionner. Non mec, on s'est clairement fait griller trop bêtement. Mais je sais pas, oui, on s'est fait craquer là. En plus, je leur ai sorti une excuse mec. C'est sûr que c'était pas crédible. Je crois, en plus, je leur ai clairement sorti une excuse. C'était clairement pas crédible. Faut qu'on essaye de les rattraper. Hé, revenez. Allez, viens, revenez par ici. Viens, dépêche-toi, rappelez. Allez, on y va. Attendez, partez pas. Non, laissez-moi tranquille. Vous êtes trop méchants. Vous êtes là à m'espionner comme des méchants. Je vous déteste. Attends, Yaspooky, juste avant de partir, j'ai une question. Est-ce que tu serais pas en couple avec le Tengue Tengue par hasard? Et alors, qu'est-ce que ça peut te faire si je suis en couple avec le Teng Teng? Allez, on s'en va. Non, mais réponds à la question. Non, je peux pas répondre. C'est trop intime. Allez, c'est quoi? C'est une dinguerie. Attends, t'as vu là, regarde, ils se sont barrés. Ils se sont enfuis, mec. Revenez. Ils sont partis. Oh là là, on peut rien y faire, mec. L'amour aveugle, c'est une dinguerie. C'est le cas de le dire, c'est vrai. Oh là 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 là. Bon, les gars, dites-nous en commentaire si vous pensez que Yaspooky est en couple avec le Tengue Tengue. J'aimerais bien voir vos avis. Non, mais en tout cas, moi, ce que je veux dire, c'est que Yaspooky n'est pas prêt de revenir. Aïe. Et moi, optique directement, ce que je propose, c'est que sur les prochains jours, on enquête sur ce Tengue Tengue. Et là, les gars, il est actuellement 3h du matin et on est confronté à un gros problème. Il y a le Tengue Tengue diabolique dans notre maison. Il hante clairement la maison, il nous terrorise. Et là, il est dans la maison, mais je sais pas forcément où il est. Mais il a tendance à faire des genres d'incantations, des genres de rituels. Et Robtek, ça fait trop flipper, je sais pas quoi faire. Oh, c'est chaud, là, les gars. On est obligé de se réfugier à la cuisine. Mais là, faut s'en débarrasser. Une chose est sûre, c'est qu'il faut s'en débarrasser une bonne fois pour toutes. Il faut le faire sortir de la maison. Parce que là, il est vraiment en train de nous hanter. Bon, là, Robtek, il y a qu'une chose à faire. Dans un premier temps, faut trouver dans quelle pièce où est le Teng Teng diabolique. Ok, il faut le retrouver pour savoir où est-ce qu'il s'est caché encore. Ouais, viens, on s'avance dans la maison, mais il faut y aller tout doucement, mec. Doucement. Faudrait pas qu'on tombe nez à nez contre lui. Parce qu'il peut être n'importe où, fais attention à toi. Ouais, parce que mec, faut faire gaffe là, fais attention. Hein. Tu montes? Bah ouais, je monte. Et Robtek, tu me suis d'ailleurs, hein. Tu restes avec moi tout au long de cette vidéo. Hein. Oui, on reste ensemble, d'accord? Ouais, parce qu'on sait jamais ce qui peut se passer, mec. Ouais, c'est vrai. Si jamais le Teng Teng diabolique m'attaque, j'aurais besoin de toi pour me défendre, ok? Attends, je regarde si on a le champ libre, ok? Vas-y. Je crois qu'il y a personne. On peut y aller. Regarde vite fait, attends, regarde avant. Il y a quelqu'un? Attention, gros. Mec, il est là. Regarde, il est là. C'est chaud, cache-toi. J'espère qu'il nous a pas vu, mec. Je sais pas. Oh, c'est chaud. Mais qu'est-ce qu'il fout? Mais les gars, regardez. Qu'est-ce qu'il fait? Oh là là, non mais on vous l'avait dit les gars, ça rigole pas, vous avez vu? Je crois que le Dendé, il commence à faire des trucs chelous, il fait des trucs bizarres là. Ouais, filme. Non, il fait quoi là? Non, commence à faire des trucs bizarres. C'est bon, je sais. Quand il fait des trucs comme ça, c'est quand il va commencer à faire des incantations. Ouais, je crois. Et par contre, Robtek, arrête de parler trop fort, il va nous entendre, on va se faire cramer là. Chut. Putain, mais sérieux, qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de positionner des bougies, il va allumer des bougies, regarde. Oh non, c'est quoi ce délire? Non, attends, mais sérieux, Simspooky, faut pas laisser faire ça. Et regarde, je te disais, regarde, il est en train d'allumer des bougies. Non mais ça, c'est sûr, regarde. Attends.
Mais Sim Spooky, là faut l'en empêcher, parce que forcément s'il fait des incantations et des genres de rituels, ça va carrément hanter la maison. Et le pire c'est que le Tengue Tengue peut devenir de plus en plus diabolique. C'est chaud pour nous là mec, je crois que moi je vais partir de la maison. Non mais c'est chaud. Me lâche pas. Bah attends, on fait comment alors? Bon peut-être qu'il faut que tu gardes ton calme, reste avec moi tranquille, tout va bien se passer. Faut juste qu'on trouve une solution à ce problème. Ouais mais il faut tout faire pour qu'il parte de la maison. Attends, regarde ce qui se passe. Il fait des dingueries là. Non mais les gars, regardez. Qu'est-ce qu'il lui prend là? Oh, c'est bizarre. Gros, qu'est-ce qu'on fait gros? Regarde, il gesticule de partout. Oui, je le sais. Non, vas-y, c'est trop. Non. Mais qu'est-ce qu'on fait là, Optek? Je sais pas là. Je propose qu'on passe en mode espion, non? Ouais, mais on fait comment? Ouais, mais vas-y. Viens, suis-moi. Ok les gars, discret, je vais essayer de longer les murs discretos, là, c'est bon. Ça y est, la robe, dès qu'on a trouvé la cachette en dessous de la table, ouais. Là ce qu'il faut faire, ça serait d'arrêter ces rituels là, ces trucs d'incantation. Attends, tu vas faire comment? Bah mec, faut éteindre les bougies et normalement ça devrait le faire, non? Mais tu peux pas éteindre des bougies comme ça, il est juste à côté, il est juste là, regardez les gars. Attends, je vais essayer d'éteindre les bougies, t'es prêt? Fais attention. En dessous, tu passes par la table? Ouais, t'es prêt? Vas-y. Oh, ça va, c'est une spooky? Y'a quelqu'un? Oh non. Y'a quelqu'un dans cette maison? Chut, regarde, il est en train de tout ranger, regarde. Attends. Qu'est-ce qu'il est en train de faire, les gars? Ouais, il a failli nous griller, mec. Je crois qu'il a vu que quelque chose tournait pas rond. Il a senti une présence, peut-être. Ouais, mais en tout cas, bien joué. Ça a clairement interrompu son rituel. Ah ouais, t'as vu ça, mec? J'ai géré de fou. Attends, chut, regarde, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qu'il fait là? Oh, ok, faut continuer directement d'analyser son comportement, ok? Ouais. Regarde là. Oui, regardez, les gars. Regarde du Tengue Tengue. Eh ouais. Attends, regarde, je crois qu'il se lève, là. Qu'est-ce qu'il fait? Oh, il se met à danser. Mais quoi? C'est une blague. Mais sérieux. Mais à mon avis, je crois que c'est à cause de ses incantations, il devient carrément possédé et tout. Oh, mais c'est tout le temps comme ça, mec. Mais là, il va véritablement hanter notre maison, c'est sûr. Faut faire quelque chose. Et tout de suite, Sim Spooky. Bah là, dans un premier temps, l'idée qui me vient à l'esprit, c'est qu'on le chasse de la maison. Bah ouais, faut clairement le chasser de la maison, faut lui pourrir la vie. Peut-être que... Attends, sur le canapé, il y a la télécommande. Ouais. Peut-être faut voir pour éteindre la télé, non? Tu le fais, vas-y. Attends. Te fais pas griller, d'accord? Chut, t'inquiète. Il est encore en train de danser, regardez les gars. Quoi? Doucement, c'est Spooky. Il est fou. J'ai des commandes. Bon, vas-y, éteins la télé. Vas-y. Attends. Vas-y, éteins pour voir. T'es prêt, regarde. Top, ça y est. J'ai éteint la télé, regarde. Mais pourquoi la télé est éteinte? Bien joué. Tape ça, Optek. Bon, pas mal le coup d'éteindre la télé, mais ça va pas suffire pour le dégager de là. Faut trouver une autre idée. Attends, je sais. Je crois que le Tengue Tengue, il a la phobie des clowns. Donc mec, si on se déguise en clown, il va flipper et il va se barrer, non? C'est ça qu'il faut faire. Mais attends, dans le placard, je crois qu'on a un déguisement de clown. Je vais regarder. Ok, je vais regarder dans les placards. Vas-y. Attends, normalement là il y a un déguisement. Regarde, c'est ça, le masque. Et là c'est comme la tenue, c'est la combinaison. Ok. Mec, Sim Spooky, tu te déguises en clown ou pas? Non, toi, déguise-toi en clown. Moi, je me déguise en clown. Ouais. Ok, let's go. Allez, hop. Regarde ça, ça me va bien, ça. Regarde, je mets le masque, je le mets comment? Attends. Et voilà. Voilà, je suis prêt. Mais non, mec, tu l'as mis à l'envers. Mets-le à l'endroit. Oh, oups, attends, comme ça? C'est bon. Ouais, là, voilà. Ok, là, mais attends, je fais comment, là? Je sais pas, moi, imiter le clown. Bah, tu pousses
des cris, je sais pas moi, tu fais tout quoi, non. C'est quoi, je lui saute dessus? Ouais, tu lui sautes dessus, tu fais comme un peu, comme un jumpscare. Mais attends, imagine, il a pas peur. Et là, c'est chaud si c'est ça. Ah, si c'est ça, c'est foutu pour toi, hein. C'est non, fichu. Gros, c'est risqué. Soit ça passe ou ça casse. Hein. Ouais, c'est ça, c'est risqué. Ok, je mets le masque. Attends. Regarde, regarde, là, regarde. Ok, je passe à l'action, let's go. Allez. C'est bon, ça fait peur là. Faut que t'assures, ouais, ça fait flipper de ouf. Ok, let's go, let's go. Ok, 3, 2, 1, j'y vais. Maintenant, ça serait peut-être pas le moment de capturer le tengue-tengue démoniaque. Quoi? Tu veux qu'on le capture? Ouais, viens. Mais attends, t'es chaud, toi, Sim Spooky, c'était pas prévu, ça. C'était pas prévu, mais tu sais quoi, c'est dans le feu de l'action, tu vois, on a les idées comme ça. Viens, monte. Mais attends, tu veux faire comment pour le capturer? T'inquiète pas, je vais mettre mon piège tout en place et tout. Et là, je vais préparer tout un plan, je vais préparer la cage. Tu vas voir que tout ça va fonctionner à merveille. Quoi, la cage? Regarde. Tu veux le mettre dans une cage? Ouais, tu veux le capturer dans la cage? Tu veux capturer le tengue-tengue démoniaque? On en a marre, faut qu'on s'en débarrasse, ok? Ouais, c'est vrai. Vas-y, prends la cage. Ouais. Mais comment tu vas faire pour le mettre dedans, en fait? T'inquiète pas, ça passe. Ah bah ça, pour mettre le tengue-tengue dans la cage, moi j'ai ma petite idée, t'inquiète pas. Comment ça? Quoi? Regarde, je vais mettre les petites graines du tengue-tengue, c'est de ça qui raffole. Tu vas en mettre dans la cage? Ouais, tu vas voir. Ah oui, mais comme ça, oui, ça va l'attirer juste dans la cage. Je mets ça comme ça, regarde. Juste, il va monter les escaliers. Ouais. Il va se diriger directement là. Regarde. J'aurais qu'à en mettre un tout petit peu comme ça. Ouais, mais attends. Mais là, ça suffit largement. Faut en mettre jusqu'à la cuisine, comme ça, ça va l'attirer jusqu'à la cage. Tu bonne vois idée. Allez, on va faire comme le petit poussé. On va en mettre de partout. Ouais, vas-y. Hop là. Jusqu'en bas, vas-y. Encore. Hey, vas-y, continue. Vas-y. Nickel, gros. Hop là, et par contre Robtek, il faudrait que tu retires ta tenue de clown, sinon il va pas oser sortir de la cuisine, il va avoir extrêmement peur. Ouais, je jette ça. C'est bon, là, attends, oh, je crois qu'il sort. Eh, je crois qu'il sort de la cuisine. Attends. Oui, oh, regardez. Oh, il sort de la cuisine, attention. Attention. Nous faut qu'on se cache, il a déjà senti les graines. Ça va l'attirer jusque dans la cage. Ok, on se cache, faut se cacher. Moi je me cache derrière le canapé. Vas-y. Moi je me suis caché comme d'hab en dessous de la table. On va attendre l'arrivée du tengue-tengue. J'espère que mon plan va fonctionner et qu'on va pouvoir capturer le tengue-tengue. Oh, les gars, regardez, je crois qu'il arrive. Il arrive. Regardez, il ramasse chaque graine qu'on a pu déposer dans les escaliers. Oh, il faut directement qu'il se dirige dans la cage. Les gars, je vais vous filmer ça en direct. Regardez. Regarde. Regarde, les gars, je crois que ça marche. Vite, on va capturer le tengue-tengue. Oh, les gars, ça y est, on a réussi à le capturer. Top la Robtek. Là, on a vraiment, mais vraiment géré, on va pouvoir s'en débarrasser. Capturé. Pas bouger. Oh, mais merde. Hey, bien joué, Sim Spooky. Ton plan a fonctionné parfaitement. Et maintenant qu'on a réussi à capturer le tengue-tengue, ça me donne plein d'idées pour les prochaines vidéos. Ouais, c'est vrai ça. Allez, capturer. Et d'ailleurs, toi Robtek, tu pourrais peut-être faire une idée de vidéo où tu démasques le tengue-tengue, non? Oui, c'est une bonne idée. Ah, tu vois, j'ai que des bonnes idées. Ah bah, je vais faire cette vidéo, mais il faut bien sûr s'abonner à ma chaîne YouTube. Eh oui, abonnez-vous bien sûr à ma chaîne YouTube Sim Spooky et à la chaîne YouTube de Robtek. Je compte sur vous. Bon bah, dès maintenant, je pense que pour le tengue-tengue, on va lui donner quelques graines à manger. Et comme ça, ça suffira largement pour qu'on le garde encore quelques jours avec nous, hein. Et puis là, dès maintenant, je propose qu'on ne reste pas là comme ça sans rien faire. En attendant, ça serait peut-être intéressant de regarder des caméras de surveillance de toute la maison. Et ça nous permettra de savoir comment
comment ce tengue-tengue là s'est introduit dans ma maison. Mes caméras de surveillance se sont détectées dans l'après-midi. Donc quand mes caméras de surveillance se déclenchent comme ça les gars, ça veut dire que ça sent les problèmes. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller inspecter ma maison. En attendant, ça te laisse le temps de mettre un gros pouce bleu en dessous de cette vidéo. Et bien évidemment, abonnez-vous à la chaîne. Allez les gars, on va inspecter la maison. Qu'est-ce qu'il a pu se passer par ici? Les gars, regardez. Les gars, regardez. Ce serait pas quelqu'un qui se serait amusé à commander le Happy Meal du Tengue Tengue? Oh, attendez les gars, on va inspecter, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Oh, ce gars c'est bizarre, il y a pas mal de graines et il y a une pomme. Il y a carrément la poupée vaudou du Tengue Tengue. Eh franchement, elle est vraiment trop stylée cette poupée. Eh les gars, j'ai bien l'impression que quelqu'un s'est amusé à faire une vidéo Happy Meal. C'est sûr, à mon avis ça doit être encore RobTech. Et j'en suis sûr qu'il y a peut-être eu le passage du Tengue Tengue. Bon, je pense que la seule chose qui pourrait répondre à toutes nos questions, ça serait peut-être de checker les caméras de surveillance de la maison les gars. Je vais me mettre dans ma chambre et on va se regarder toutes ces caméras de surveillance les gars, ok? Alors mes caméras de surveillance se sont détectés pour la première fois au niveau du salon. Ah bah voilà, on voit clairement RobTech qui est en train de faire une vidéo sur le Happy Meal Tengue Tengue. Bah écoutez, c'est clairement la même chose qu'on a pu retrouver là il y a un instant sur la table basse là. Oh, ah, en tout cas regardez, il a l'air de bien s'éclater hein. Il a l'air vraiment trop content de faire sa vidéo du menu Happy Meal du Tengue Tengue. Notez-moi en commentaire la danse de RobTech, s'il danse bien ou s'il danse mal. Alors il va directement découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Ah bah oui les gars, regardez, il a clairement la peluche dans les mains. À mon avis la peluche devait être à l'intérieur du Happy Meal. Bah oui c'est sûr, c'est sûr. Regardez, les gars, wow, mais il y a le Tengue Tengue qui est apparu dans la maison. Wow, oh mais il a clairement de la chance. Par contre je crois que RobTech a pris peur hein. Regardez, il est parti, il est clairement parti. Oh là 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 là, mais pourquoi il est parti? Ah, je crois qu'il va le chercher. Les gars, je crois qu'il est parti le chercher. Ah oui, je crois qu'il est parti le chercher, les gars. Oh, regardez, il est clairement en train de danser avec le Tengue Tengue. Waouh, les gars, c'est dinguerie. Waouh, les gars, c'est un truc de ouf quand même. Non mais les gars, c'est clairement ouf. Comment il a fait pour faire venir le Tengue Tengue jusqu'à la maison? Regarde, ils sont clairement potes. Je crois que c'est son pote. Non mais je comprends pas pourquoi RobTech il a peur. Le Tengue Tengue a l'air vraiment trop gentil. Peut-être que le Tengue Tengue, vu qu'il vit dans la nature sauvage, peut-être qu'il y a des moments il peut se montrer un peu bizarre. Faut faire attention quand même, ouais. Oh les gars, par contre, je crois que c'est dommage. Le Tengue Tengue est parti. Moi, je voulais en voir plus à propos du Tengue Tengue. Et vous savez quoi? Je vais directement faire décoller mon drone. J'ai la télécommande dans les mains. Je sais pas pourquoi les gars, j'ai un pressentiment. Je sens que le Tengue Tengue a pour habitude de traîner au niveau du lac. Les gars, regardez les gars. Je me suis directement précipité au niveau du lac les gars pour espérer le retrouver. Bon là pour l'instant, je vois rien du tout. Oh les gars, j'ai l'impression de voir quelque chose là-bas au bout. Une silhouette blanche qui est clairement en train de danser. Mais oui les gars. Wow. Et ben voilà, c'est le Tengue Tengue. Regardez. Ça y est, regardez, il est encore en train de faire sa danse du Tengue Tengue. Wow, ah, il est trop fort. Ah, faut que je fasse attention, vous avez vu? Je crois qu'il tient quelque chose dans sa main. Peut-être qu'il est armé, peut-être qu'il a une arme. Faut faire très attention. Oh les gars, ça me donne trop envie de faire la danse du Tengue Tengue. Attendez, je vais stabiliser le drone. Ok, je fais la danse du Tengue Tengue. Tengue Tengue, Tengue Tengue, Tengue. Attendez, je reprends les commandes du drone quand même. On sait jamais que je fasse cracher ou quoi. Ok, on va s'approcher tranquille. Oh, je crois qu'il a peur. Je crois qu'il est en train de prendre peur le Tengue Tengue. Regardez-moi ça. À mon avis, il aime pas la présence du drone. Regardez, ça se voit clairement là hein. Oh là là. Eh ouais, regardez, il tient un couteau dans la main. Il tient clairement le couteau. C'est une arme vraiment très dangereuse en plus. Les gars, faut faire attention. J'ai peur que le Tengue Tengue se montre agressif par rapport au drone. Donc, bon, vous savez quoi, c'est pas grave hein. Je vais essayer de m'approcher. Oh ouais, bah oui, regardez, les gars, il prend peur. Il prend clairement peur hein. Je crois qu'il a l'air clairement tétanisé. Mais par contre, c'est clairement inédit. J'ai réussi à retrouver le Tengue Tengue avec mon drone. C'est une dinguerie. Les gars, c'est clairement ouf. Ok, on va s'approcher. Eh les gars, il faudrait peut-être que je fasse attention avec le drone parce que ce Tengue Tengue là peut se montrer peut-être dangereux, on sait jamais les gars, ok? Attendez, je vais me rapprocher, mais tranquille les gars, je vais essayer de garder quand même mes distances. En tout cas, je sais pas vous, mais regardez les gars, je crois qu'il a l'air de flipper.
et il a l'air d'avoir très 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 peur. Attendez, je vais essayer de m'approcher. Tranquille, les gars, je prends mon temps. Faut pas que je fasse n'importe quoi non plus, hein. Mais ça n'empêche, les gars, c'est dommage. J'aurais bien aimé aller le voir à l'extérieur, là, comme ça. Mais j'en suis sûr, le temps que j'arrive, il aura peut-être disparu. Il sera peut-être plus là, le Tengentengue. Oula, les gars, je crois qu'il a peur, hein. Ouais, il a extrêmement peur, hein. Regardez, il s'est clairement reculé en plus. Vous savez quoi, je vais essayer de prendre le risque de m'approcher. Regardez, en plus, il me fait des mouvements avec sa main. Il veut que je m'approche avec le drone. Donc on va tester. Ok, tranquille. Oh, ok, je m'approche, tranquille. Attendez, ouais, je me décale. Oh non, les gars, il y a des interférences avec mon drone. Ah, ça y est, les gars, c'est revenu. Oh là, les gars, j'ai clairement eu chaud. J'ai eu peur que le Tengentengue abîme mon drone. Non, ça va, c'est bon, tout est bien qui finit bien. Ça va, mon drone n'est pas abîmé, mais regardez-moi ça, le Tengentengue est clairement en train de se cacher dans les buissons. Mais qu'est-ce qu'il fait? Je crois qu'il est peut-être en train de récolter des fruits dans les buissons, non? Regardez. Ah non, ça y est, il a cramé le drone. Ça y est, il a tout de suite vu le drone. Oh là, les gars, c'est chaud. Il est malin, ce Tengentengue, et tout de suite, il aperçoit le drone. Regardez, là, il essaye de se cacher tranquillement. Ah, mais non, de toute façon, on le voit à travers. Ah, il essaye de se déplacer. Non, mais les gars, regardez, on voit clairement sa tête et tout. On voit clairement que c'est le Tengentengue en plus. Il croit se cacher, mais de toute façon, avec le drone, on voit tout, les gars. On voit clairement tout, hein. Oh, attendez, il se déplace. Oh. Alors, qu'est-ce qu'il est en train de faire, les gars? Peut-être qu'il a une idée derrière la tête. Ah, les gars, j'ai l'impression d'avoir perdu de vue le Tengentengue. Tout à l'heure, je faisais le malin, mais... Ah non, ça y est, c'est bon. En fait, il est juste là. J'avais juste avancé avec le drone. Mais les gars, c'est une dinguerie. Il croit se cacher, il est juste là. Non, les gars, c'est une dinguerie. Je sais pas ce qu'il fait comme ça dans les buissons. Peut-être qu'il était en train de récolter des feuilles pour sa tribu, hein. On sait jamais, quoi, hein. Ok. Alors là, les gars, j'ai l'impression qu'il veut fuir le drone. Mais de toute façon, ça sert à rien. Je le perds pas de vue, les gars. Regardez, je m'approche. Il continue encore et encore à se cacher, mais de toute façon, ça sert à rien. Ah, les gars, regardez. Par contre, vous avez vu sa tête, comment c'est vraiment trop drôle, là, les gars, c'est une dinguerie. Ok, regardez, il est en train de se déplacer. Je sais pas ce qu'il cherche, les gars, mais en tout cas, il a l'air un peu farouche, quand même, hein. Il a l'air bizarre, hein. Regardez, il essaie de s'enfuir, mais il arrive pas du tout. Et vous savez quoi, on va essayer de s'amuser un peu. Je vais essayer de lui faire peur avec le drone. Attendez, je vais essayer de m'approcher au maximum. Let's go, je m'approche tranquillement. Hop là. Ah, regardez, il est juste en bas. Il est juste là, les gars. Regardez, le Tengentengue est juste là. Faut, les gars, je comprends pas. J'ai l'impression qu'il a jamais vu de drone de sa vie. Il a l'air tétanisé, il a trop peur. Regardez, il ose même pas bouger. Oh, les gars, c'est une dinguerie. Je m'approche. Regardez, je crois qu'il a trop peur. Il a clairement trop peur. Je crois qu'il tremble. Oh non. Oh non, les gars, le Tengentengue a cassé mon drone. Oh non, je pensais pas que le Tengentengue était capable de casser mon drone. Comment je vais faire? Oh non, les gars, qu'est-ce qui se passe encore? Mes caméras de surveillance viennent de se détecter. Qu'est-ce qui se passe là? Je crois qu'il y a quelqu'un qui s'est introduit dans ma maison, les gars. Je vais checker ça tout de suite là. On va directement se regarder ces caméras de surveillance ensemble qui pourraient nous cacher pas mal de mystères, les gars. Allez, je me branche sur les cams. Ok, donc je me suis directement mis sur les caméras de surveillance du salon, les gars. Ok, donc là on voit carrément Rob Tech qui est clairement en train de faire sa vie dans le salon, dans le plus grand des calmes. Qu'est-ce qui nous cache encore celui-là là? Oh, ah bah tiens, eh bah voilà, bingo les gars, regardez. Et bah c'est Rob Tech en fait. Et bah en fait c'est lui, les gars, qui a commandé les menus Happy Meal Horror des Poppy Playtime de chapitre 3. Aïe, je le savais, les gars, je le savais directement. Qu'est-ce qu'il va faire là du coup? J'en suis sûr qu'il va en faire une vidéo, ce malin là. Ah bah ouais, regardez les gars. Attends, j'ai l'impression qu'il a un peu peur, les gars, vous voyez ou pas? Parce que je sais pas si vous le savez, mais de commander des menus Happy Meal Horror de Poppy Playtime à l'heure de 3h du matin, moi je vous le dis que c'est clairement, mais clairement très dangereux, hein. Rob Tech est quand même courageux d'avoir commandé des menus Happy Meal à l'heure de 3h du matin, hein. Surtout la collaboration spéciale horreur de Poppy Playtime des chapitres 3, hein. Eh bah ça y est, les gars, je crois qu'il commence sa vidéo. Ça y est, regardez, il est clairement en train de faire sa vidéo pour sa chaîne YouTube, hein,
du coup. Et moi, je vous avoue, hein, j'aurais clairement, mais clairement pas osé commander ce menu Happy Meal. Hein. Comment ça me fait super flipper, les gars. Oh. Bon, pour l'instant, on voit clairement Rob Tech qui est en train de déballer le menu Happy Meal du catnap de Populate Time. D'ailleurs, les gars, moi, je vous le dis, ce nouveau personnage est vraiment, vraiment très, 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 très mystérieux. Je vous le dis que ça me fait super peur, moi, quand même. Hein. Cette créature-là, ça me fait encore plus peur que Huggy Wuggy. Oh, les gars, vous avez vu? Ah bah tiens, en parlant de lui, il est là! Il y a Catnap! Les gars, je vous avais dit de commander le menu Happy Meal du Catnap à 3h du matin. Ça allait pas se passer comme prévu, hein. Regardez, regardez-moi ça. Oh là 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 là. Regardez, les gars, comment il est super gros. Il est énorme. Oh non, mes caméras de surveillance bug. Oh, oh. Oh non, les gars, il a une possession tellement, mais tellement démoniaque qui perturbe les caméras de surveillance de la maison, les gars. Ça y est, les gars, c'est revenu, les gars, c'est revenu. Rob Tech doit être clairement terrorisé. Oh, c'est chaud, les gars, oh, c'est chaud, c'est chaud. Les gars, je crois qu'il essaye de se cacher. Il va en direction de la cuisine, là. Mais à quoi il joue? Peut-être que Catnap l'a poursuivi, peut-être. Bon, attendez, on sait pas, les gars. Bah non, regardez, regardez. Il y a Catnap qui fait son retour. Oh là 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 là. Les gars, j'ai peur, les gars, j'ai clairement peur pour Rob Tech. Oh non, les gars, regardez. Il essaye clairement de l'atteindre en sautant près de lui, les gars, vous avez vu? Oh, c'est chaud, oh les gars, c'est clairement chaud. Les gars, j'ai clairement peur qu'il y ait des interférences, là. Non, 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 non. Oh, oh non, mais à quoi il joue? Non, non, faut pas qu'il tape. Oh, oh. Les gars, Rob Tech vient de se faire frapper par le catnap. Oh non, et puis, non, mes caméras de surveillance viennent de sauter, les gars. Oh là là. Oh les gars, il y a une détection de mes caméras à l'extérieur. Regardez. Ben ouais les gars, c'est clairement Catnap qui est à l'extérieur. Et vous savez quoi? Je vais clairement pas le lâcher les gars. Je vais clairement faire survoler mon drone les gars. Les gars, je vais pas le lâcher, je vais clairement pas le lâcher. Et vous savez quoi? Vu que en ce moment il y a clairement la collaboration spéciale avec le menu Happy Meal de Catnap, et ben je pense qu'il faudrait peut-être survoler le McDonald's les gars. Qu'est-ce que vous en pensez? Ok les gars, je m'approche tout doucement du McDonald's. J'espère qu'on va les retrouver les gars. Ok ok, je m'approche tranquillement. Oh là 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 les gars, Rob Tech a dû passer un sale quart d'heure hein. Moi je vous le dis, aïe 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 aïe, ça doit être compliqué hein. Les gars, je vous le dis hein. C'est clairement mais clairement dangereux de commander des menus Happy Meal à 3h du matin hein. Moi je vous le dis hein. Vous avez clairement vu de toute façon tout ce qui s'est passé hein. Ok donc les gars, y a pas grand chose là au niveau du drive. Vous savez quoi, ouais, je vais m'approcher peut-être plutôt au niveau du parking. Ouais les gars, peut-être au niveau du parking on va peut-être voir quelque chose. Oh là 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 les gars, c'est clairement ouf, c'est clairement. Oh les gars, il y a le catnap, regardez, il y a catnap qui court, il court carrément. Oh là 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 les gars, c'est ouf. Je vous avais dit qu'il était près du McDo. Je vous l'avais dit les gars. Donc là les gars, on a directement l'info que le catnap zone autour du McDo. Et par contre, quand j'y pense, quand on voit un catnap comme ça courir, c'est pas pour rien. Peut-être qu'il se faisait poursuivre par une autre créature ou je ne sais quoi hein. Je vais essayer de repositionner mon drone. Peut-être qu'on y verra encore quelque chose hein. Bah, de toute façon on le sait les gars, il est clairement en activité. Les gars, on va attendre, je me positionne là. Oh les gars, il y a Catnap. Les gars, il y a Catnap qui est encore en train de courir. À mon avis, et bah voilà les gars, il se faisait poursuivre par le Huggy Wuggy. Oh là là. Les gars, c'est ouf. À mon avis, on n'est pas au bout de nos surprises avec ces deux-là hein. J'en suis sûr que là, ils sont en pleine bataille. Les gars, je vais essayer de me décaler. Les gars, faut clairement que je les retrouve au plus vite parce que j'en suis sûr qu'il y a un combat de boxe là qui est imminent entre ces deux là. Vous pensez c'est qui gagne entre Catnap et Huggy Wuggy? Moi je vous le dis clairement que à mon avis c'est Catnap les gars. À mon avis c'est Catnap qui gagne, c'est sûr, c'est clairement sûr hein. Ok les gars, je me repositionne au niveau du McDonald's. J'espère qu'on va finir par les revoir ces deux là hein. Ok les gars, je vais positionner le drone. Oh les gars, il y a des interférences. Mais ah bah voilà, il y a Catnap les gars, regardez. J'ai l'impression qu'il est énervé les gars. J'ai l'impression qu'il est clairement énervé. À mon avis là il est en point exé les gars. C'est sûr les gars, c'est clairement sûr. Oh non les gars, c'est bizarre. J'ai l'impression que Huggy Wuggy a disparu des radars.
Bon, c'est pas grave les gars, c'est clairement pas grave. De toute façon, s'il y a 4 nappes dans les parages, ça veut dire qu'il y a potentiellement Oogie Woogie aussi qui est pas très 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 loin, hein. Ok, ok, les gars, je me décale. Ronald Land, non, les gars, Ronald Land, il n'y a pas grand chose. Non, 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 à mon avis, il est pas par ici, hein. Bon, c'est pas grave, je vais me diriger au niveau des parkings. Les gars, si vous aussi vous voyez quelque chose, n'hésitez pas à me le dire. Je fais un peu le tour avec mon drone, parce que peut-être qu'ils sont sur le parking ou... Ouais, ouais, les gars, je me mets sur le parking, tranquillement. Et moi, je vous le dis, on est clairement pas au bout de nos surprises avec ces 4 nappes là et tout, hein. Oh, les gars, ça y est, regardez, il y a Oogie Woogie vs le 4 nappes. Oh, vous avez vu, il y a 4 nappes qui a clairement esquivé le coup de Oogie Woogie. Oh, les gars, je crois que 4 nappes, ça l'a mis en rage, ça l'a clairement mis en rage. Oh là là, je crains le pire, les gars, je crains. Oh, wow. Les gars, il y a 4 nappes qui a mis un gros gros coup de poing à Oogie Woogie. Regardez, il est KO, il est clairement KO. Oh non, non, les gars. Les gars, mon drone. Oh les gars, j'ai clairement des interférences. Oh là 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 là, les gars, c'est ouf. Il y a clairement Oogie Woogie qui est carrément KO, les gars. Il s'est pris un KO. Là, je crois que Oogie Woogie, il est clairement tombé au tapis direct, hein. Oh non, non, mais les gars, comment je peux faire pour les retrouver? Les gars, il y a un gros 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 souci. Apparemment, il y aurait Tengue Tengue qui aurait disparu. Je suis trop triste. Apparemment, il serait porté complètement disparu, les gars. Je sais pas quoi faire. Moi, je l'aimais trop, le Tengue Tengue, quand il faisait sa danse et tout. Je suis clairement bouleversé, là. Apparemment, la police et les autorités seraient à sa recherche. Donc, moi, les gars, je vous le dis direct. Je peux pas rester là comme ça sans rien faire. Dans cette vidéo, je vais clairement me mettre à la recherche du Tengue Tengue et faire tout mon possible pour le retrouver. Et là, je me dis que je préfère croire que si vous mettez un maximum de pouces bleus en dessous de cette vidéo et que vous vous abonnez à la chaîne YouTube, on aura peut-être plus de chances de retrouver le Tengue Tengue, les gars. Donc là, les gars, ce que je vais faire, c'est que je vais devoir organiser mes recherches. Regardez ce que j'ai préparé. Regardez, les gars, j'ai préparé des pancartes du Tengue Tengue a disparu. Comme ça, j'en colle un maximum dans tout le quartier. Et j'espère que ça fera son effet, quoi. J'espère que grâce à ça, je vais pouvoir retrouver le Tengue Tengue. Et je vais clairement pas m'arrêter là, hein. Dans cette vidéo, je vais m'équiper de mon drone et on va se mettre aussi à la recherche du Tengue Tengue avec le drone. Nous allons survoler toute la rue et quadriller vraiment tout le périmètre. Allez, dès maintenant, je vais me mettre au boulot, les gars. Je vais essayer de coller un maximum d'affiches du Tengue Tengue disparu dans tout le quartier. Et avec tout ça et avec tous les moyens que je vais utiliser pour pouvoir retrouver le Tengue Tengue, j'espère que tout cela va fonctionner. Allez, c'est parti, let's go. Ça y est, les gars, je me suis rendu à l'extérieur pour pouvoir coller un maximum d'affiches du Tengue Tengue a disparu. J'espère que ça va faire son effet. Allez, les gars, je commence. Regardez, hop là, je colle plusieurs affiches comme ça du Tengue Tengue disparu. Allez, allez, on enchaîne. Bon, les gars, il faut que j'enchaîne, faut que j'en colle dans tout le quartier. Ok, let's go. Je crois que je vais clairement changer de spot. Je vais plutôt me diriger au niveau du quartier, les gars, par ici. Allez, 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 je vous prends avec moi, let's go. Il faut que je continue encore et encore de coller plein d'affiches du Tengue Tengue disparu. Faut clairement pas perdre espoir. Faut que je continue à coller encore et encore plein d'affiches. Let's go. Autant vous dire que j'ai collé pas mal, mais vraiment pas mal d'affiches dans tout le quartier, les gars. J'en ai clairement collé de partout. Maintenant, bah, je crois qu'il n'y a plus qu'à attendre en espérant qu'il y ait un petit appel, un petit quelque chose. Et dès que j'ai une information ou quoi que ce soit, je vous reprends directement, ok? A few moments later. Moi, les gars, je vous avoue, je suis clairement devenu fan du Tengue Tengue. C'est pour ça que je fais tout mon possible pour pouvoir le retrouver. Les gars, je crois que je reçois un appel. Attendez, je vais répondre direct. Allô? Allô, oui? Oui, allô, bonjour, j'ai vu votre affiche du Tengue Tengue a disparu dans le quartier. Oui, alors est-ce que vous pouvez me donner encore quelques informations, s'il vous plaît? Dites-moi, Julien, pour essayer de vous aider pour pouvoir vous donner quelques informations. Alors apparemment, le Tengue Tengue aurait disparu, se serait fait kidnapper par une organisation. Il aurait été vu pour la dernière fois du côté d'un bâtiment abandonné à la bord de chez vous, du côté d'une forêt. Donc je compte sur vous pour peut-être faire survoler votre drone. Peut-être que grâce à ça, vous pourrez retrouver le Tengue Tengue. Bonne recherche, à bientôt. Ok,
Ok, d'accord, d'accord, ça marche. En tout cas, merci beaucoup pour cet appel. Ça m'a vraiment, mais vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé pour la recherche du Tengue Tengue. Ok, les gars, je crois que je vais devoir m'équiper de mon drone pour pouvoir survoler tout le quartier et pouvoir me mettre à la recherche du Tengue Tengue, les gars. Oh là, les gars, je suis clairement soulagé, hein. Les bonnes nouvelles commencent à s'annoncer. Et moi, je vous dis, là, je commence tout doucement à reprendre espoir. Allez, je vais clairement faire décoller mon drone à l'endroit où apparemment il aurait été vu pour la dernière fois. Je me rends sur place, je fais décoller mon drone et puis on se reprend juste après. Ok les gars, donc ça y est, regardez-moi ça, j'ai directement envoyé le drone dans les airs en espérant pouvoir retrouver le Tengue Tengue. Avec les petits indices qu'on a pu récolter avec l'appel que j'ai pu recevoir tout à l'heure les gars, je me suis directement rendu dans cette zone. Hey les gars, regardez, j'ai l'impression d'avoir repéré quelque chose. Regardez-moi ça, une genre de silhouette toute blanche. Attendez, je vais m'approcher, je m'approche tranquille. Mais c'est le Tengue Tengue! Yes les gars, on a pu retrouver le Tengue Tengue. Regardez-moi ça. Let's go. Oh, par contre, j'ai l'impression qu'il a l'air d'être en difficulté, vous avez vu. Et regardez les gars, sa djellaba, sa camis est pleine de sang. Oh non, je crois qu'il lui est arrivé quelque chose de très 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 tragique. En plus, il a, ouais, eh ben ouais, regardez-moi ça, il se déplace d'une façon bizarre en plus. Eh ben oui les gars, regardez, je crois qu'il a une douleur au niveau de son ventre, au niveau de son corps. Oh là 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 là, c'est tragique, c'est vraiment bizarre là ce qui a dû se passer. Oh non mais les gars, moi j'ai clairement peur pour le Tengue Tengue. J'espère qu'il lui est rien arrivé de mal. Oh non, non les gars, c'est bizarre, c'est bizarre, c'est bizarre. Je crois qu'il y a un problème, il y a un clown qui est derrière le Tengue Tengue. Oh bah c'est à cause de lui. Bah oui, à mon avis il était en fuite, c'était le clown qui était derrière lui depuis tout à l'heure. C'est pour ça qu'il faisait que de courir et tout. Oh les clowns sont de retour. Regardez, regardez comment ils se déplacent. Ça se voit qu'il était en train de traquer le Tengue Tengue. Oh non. Allez, allez, allez Tengue, enfuis-toi le Tengue Tengue. C'est chaud les gars c'est compliqué. La situation est vraiment très 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 compliquée. Parce que là j'ai clairement l'impression que c'est le retour des clowns. Et on le sait très bien, hein, c'est toujours ces clowns là qui se cachent derrière les kidnappings et les disparitions. Non mais les gars, ils sont clairement terribles ces clowns. C'est chaud. Regardez, il a l'air complètement énervé. Regardez-moi ce clown. Oh, regardez, il est en train de se faire poursuivre. Mais dépêche-toi. Oh non les gars, regardez, c'est la chose dont je crains le plus. Le Tengue Tengue vient de se faire attraper par le clown. Non. Les gars, cette scène est vraiment très 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 tragique. Je sais pas quoi faire là au vu de la situation. Regardez, je crois que c'est mort. Je crois que c'est clairement mort. Il lui met des coups et tout. Ah, où est-ce qu'il pourra l'emmener ce clown? Bon, de toute façon, comptez sur moi, je vais vraiment pas les lâcher ceux-là. Oh là 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 là, ok. Aïe. Non mais regardez les gars, il lui donne clairement des coups de hache et tout. Le Tengue Tengue a l'air impuissant, c'est une dinguerie. Regardez. Non mais c'est moi où il est clairement sur le point de le tuer. Non, pas ça. J'espère qu'il va l'épargner. Oh non mais de toute façon je crois que ces clowns là les gars ils sont redoutables. Là je crois que le Tengue Tengue il a aucune chance. En fait tout à l'heure quand on le voyait au niveau du drone quand il courait, ça veut dire qu'il était en train de fuir le clown les gars. Il était clairement en train de fuir le clown tueur. Me dites pas qu'il va essayer de l'attacher à l'arbre. Non pas ça. Non. Faut qu'il puisse s'enfuir, qu'il fasse quelque chose. Enfin, je sais pas moi. Non. Ah bah oui, regardez, il va essayer d'attacher le Tengue Tengue. Bon les gars, je crois que c'est foutu pour le Tengue Tengue. J'ai trop peur des clowns, je peux pas le sauver moi. Qu'est-ce que je peux faire là? Bah là, je peux quand même rien faire. Alors moi, j'ai clairement plusieurs hypothèses. Alors soit il va vouloir le capturer et le laisser comme ça, ou sinon j'ai clairement peur qu'il veuille le tuer. Mais je crois que c'est ce qu'ils veulent, ces clowns. Non, il est en train de le frapper, il est en train de le rouer de coups. Ah là, c'est chaud. Non, il va lui donner le coup fatal. Oh non, je crains le pire. Non. Non, pas ça. Oh non. Oh,
j'ai encore fait un cauchemar. Oh les gars, je fais que de faire des cauchemars depuis que j'ai appris que le Tengue Tengue était menacé de mort les gars. J'ai clairement du mal à dormir et je fais que de faire des cauchemars, j'en peux plus. Les gars, le Tengue Tengue est clairement menacé, donc forcément qu'en ce moment je suis très très inquiet. J'ai clairement peur que mes cauchemars deviennent une réalité les gars, ça me fait trop peur. C'est une dinguerie, c'est une... Non, les gars, il y a le Tengue Tengue qui m'appelle. Attendez, je m'empresse de répondre. Allô? Allô? Oui, allô, Spooky, c'est moi, c'est le Tengue Tengue. Bon, là, je suis confrontée à un petit problème. Il y a des clowns qui veulent ma peau, je sais pas pourquoi. C'est Spooky, il faut que tu m'aides. Sinon, ces clowns, ils vont vouloir me tuer. Non, mais t'inquiète, le Tengue Tengue, ça va aller, ça va aller. Non, les gars, c'est chaud, c'est chaud. Hey, Sim Spooky, j'ai une idée. Tu sais, je me trouve pas très loin d'une usine abandonnée. Oui, ok, ok. Faire survoler ton drone. Ah oui, peut-être qu'ils auront l'attention sur le drone et pas sur le Tengue Tengue. Ils vont peut-être m'épargner, tu vois. Parce que s'ils voient qu'ils sont filmés avec le drone, peut-être que ça va les faire fuir, peut-être que ça va fonctionner. Aide-moi, Sim Spooky, aide-moi, aide-moi. Bon, il faut que je te laisse, parce que je crois que je sens la présence de clowns tout autour de moi. Allez, 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 allez. Oh non, mais vous avez clairement entendu, le Tengue Tengue est clairement chassé par les clowns. Mais non, c'est pas possible cela. Le Tengue Tengue m'a clairement proposé de faire survoler mon drone là où il est. Comme ça les clowns vont peut-être prendre peur et vont clairement peut-être s'enfuir et l'épargner. Mais je sais pas si ça va marcher hein. Je vais directement faire décoller mon drone et le faire survoler à l'endroit de l'usine abandonnée là où il me l'a dit. Ok, let's go. Ok, donc on lance directement les recherches pour pouvoir trouver le Tengue Tengue. Alors regardez les gars, je survole actuellement la forêt qui est juste à côté de l'usine abandonnée. Regardez, l'usine est juste là. Oh bah voilà, bingo. Regardez, on voit directement le Tengue Tengue. Il est juste là les gars, il est clairement juste là. Attendez, je vais m'approcher de tout près. Comme ça il va voir ma présence. Ok, 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 okay. Je m'approche, je vais essayer de m'approcher. Je sais pas s'il a vu le drone. Ah, ça y est, il a vu le drone. Oh là, non, du calme le Tengue Tengue. J'ai l'impression qu'il prend peur avec le drone. Non, faut qu'il se calme. Tranquille les gars. Oh, ça y est, il se sent très à l'aise maintenant. Il nous fait la musique du Tengue Tengue. Ok, ça c'est intéressant. Ça c'est clairement très 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 intéressant. Ah, voilà. Quand on voit le Tengue Tengue faire sa danse, ça veut dire que ça va mieux les gars. Regardez. Oh, regardez-moi ça, j'ai l'impression qu'il s'approche du drone. Il est juste là, il a l'air de faire très 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 attention tout autour de lui. Hé, les gars, il y a un clown qui est en train de l'attendre. Vous avez vu? Oh non! Il me l'avait dit tout à l'heure en appel qu'il était en danger à cause de ses clowns. Oh non, c'est compliqué les gars. Aïe. Non, regardez, les clowns sont redoutables. Oh, j'ai clairement peur pour le Tengue Tengue. Parce que ces clowns sont vraiment très 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 virulents les gars. Peut-être qu'il peut se faire clairement tuer hein. Il peut clairement y avoir une tentative de meurtre. Oh non. Et en plus à mon avis le Tengue Tengue n'a clairement pas vu le clown tueur. Regardez-moi ça. Non, c'est chaud, les gars, c'est chaud. Ah là, les gars, je suis navré de vous dire que le Tengue Tengue est clairement en danger de mort. En plus, je crois qu'il a même pas vu le clown qui était derrière. C'est compliqué, ah, les gars, c'est clairement compliqué, là, hein. Oh là, c'est chaud ce qui se passe. Les intentions du clown ne sont clairement pas là pour faire copain-copain avec le Tengue Tengue, hein. Ça c'est sûr, hein. C'est clairement connu que les clowns sont là pour semer la pagaille. Ok, bon, faudrait que je garde mon sang-froid, il faudrait que je garde mon calme, il faut que je relativise. Les gars, tranquille. Oh là, faudrait que le Tengue Tengue s'enfuit. Hey, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il est en train de faire ce clown? Oh non, je crois qu'il est en train d'escalader la barrière. Je crois que ça y est les gars, regardez-moi ça. Le clown était en train de sauter la barrière. Il veut s'en prendre au Tengue Tengue. Oh non. Faut qu'il s'enfuit. Mais le Tengue Tengue, faut qu'il se barre. Qu'est-ce qu'il attend? Oh non les gars, regardez, le clown s'approche. J'ai peur qu'il passe à l'acte. Non.
Ça me fait flipper, j'arrive pas à le croire. Les gars, j'arrive clairement pas à le croire. Le Tengue Tengue ne voit rien du tout, il ne voit rien. Je comprends pas là, le Tengue Tengue se rend compte de rien du tout. Il voit pas qu'il y a un clown tueur derrière lui, les gars, c'est une dinguerie. Regardez. Oh là là, c'est chaud, regarde. Le clown tueur s'approche de lui très dangereusement. C'est une dinguerie, regardez-moi ça. Oh non, ça y est. Il lui a mis un coup de couteau. Oh non. Ouais, il continue. Oh non. Là, c'est chaud pour le Teng Teng là. Oh là là. Les gars, je suis trop triste. Ces clowns tueurs là, on n'en peut plus de. J'arrive pas à croire de cette scène là qu'on vient de visualiser. Les gars, c'est une dinguerie. Ça voudrait dire que le Tengue Tengue est mort. Mais non, les gars, j'arrive pas à le croire. Je vous le dis, c'est comme un cauchemar réveillé. Hey, les gars, le clown a repéré le drone. Oh non. Faut que je recule. Vite. J'ai peur qu'il casse le drone. Oh non. Les gars, j'ai plus de signal. Les gars, non. Non, j'ai plus de signal avec le drone. Oh non, les gars, l'heure est grave. Le Tengue Tengue est sûrement mort. Et là, je viens de perdre le signal du drone. À mon avis, le drone a dû se crasher. Je crois que je peux clairement pas rester là comme ça, impuissant dans ma chambre. Faudrait peut-être que j'aille sur place, voir déjà si le Tengue Tengue est vraiment mort. Et peut-être aussi voir si je pourrais peut-être récupérer mon drone. Et vous savez quoi, moi, je peux pas perdre espoir comme ça. Peut-être que le Tengue Tengue n'est sûrement pas mort encore. Peut-être qu'il y a encore espoir de le sauver. Allez, on se retrouve directement sur place. Bon bah ça y est les gars, je me suis directement rendu sur place, là où on a perdu le signal avec le drone les gars. Et par contre c'est bizarre les gars, dès que je viens d'arriver là sur place, et bah je sens comme une petite présence. Il faut faire attention, parce que moi à mon tour je pourrais peut-être me faire kidnapper par cette bande de clowns les gars. Donc moi je vous le dis là, il faut que je fasse attention les gars, il faut clairement que je fasse attention. Regardez les gars, je suis clairement sur place où il y avait le Tengue Tengue et le clown qui était juste là. Attendez, et on avait perdu le signal du drone juste ici. Attendez, je vais m'approcher tout doucement. Bon les gars, je m'approche tout doucement. Oh, regardez ce que je viens de trouver. Hey, regardez les gars, il y a du sang. Non, il y a même un pistolet. Oh là, le Tengue Tengue a dû perdre beaucoup de sang là pour qu'on retrouve des traces comme ça par terre. Et puis regardez là encore une trace de sang. Les gars, c'est chaud. C'est vraiment très grave ce qu'ils sont capables de faire ces clowns les gars, c'est une dinguerie. Et puis regardez les gars, il y a une pelle. Ça a peut-être servi à enterrer le Tengue Tengue, c'est pour ça qu'on le retrouve plus. La situation devient très compliquée. Je ne retrouve pas le drone et vraiment aucune trace du Tengue Tengue, les gars. C'est trop chelou. Je crois qu'on va devoir se rendre à l'évidence que le Tengue Tengue est mort. C'est chaud. Hey, je crois avoir trouvé un indice du Tengue Tengue, les gars. Regardez, je crois que ça doit être la djellaba du Teng Teng. Regardez-moi ça, ce serait pas la djellaba du Teng Teng, ça? Et puis regardez, il y a plein de sang là tout autour. Oh non les gars, c'est chaud. C'est compliqué hein, parce que là je crois que le Tengue Tengue n'est vraiment plus du tout par ici. On a pu trouver quelques indices, mais rien de concret quoi les gars. Hey, les gars, c'est quoi ce bruit là? Qu'est-ce que... Non les gars, je crois que c'est clairement des clowns là qu'on entend. Mais oui. Non, je crois qu'il faut directement que je quitte cette zone les gars, parce que moi je vous le dis que si je me fais attraper par un clown, c'est fini pour moi, c'est fini pour Sim Spooky hein. Donc vous savez quoi, on se reprend quand je serai rentré à la maison, ok? Ok, donc ça y est les gars, je suis directement rentré à la maison. Oh les gars, j'ai clairement eu chaud hein, parce que moi je vous le dis, j'ai entendu des bruits de clowns et tout. Je suis directement parti de la zone, parce que à mon avis, je pense que si je serais resté plus longtemps, je pense que je m'aurais fait peut-être attraper clairement par des clowns quoi hein. En tout cas ça va, là je suis rentré à la maison. Ah oui non mais là par contre les gars, je dois vous le dire hein, je suis clairement triste hein. Je crois que le Tengue Tengue est clairement mort. Oh là là, j'arrive pas à réaliser les gars, j'arrive clairement pas à réaliser. Et puis en plus les gars, j'ai clairement perdu le drone hein. Quand je suis arrivé sur place, il y avait plus rien, il y avait clairement plus rien les gars. J'ai retrouvé juste quelques indices. De toute façon vous avez vu déjà tous les indices qu'on a pu trouver hein, dans la vidéo quoi. Bon, cette vidéo se termine d'une façon vraiment très mal hein. Allez, je pense que ça serait peut-être le moment de s'arrêter là pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez aimé tout de même. En tout cas, si j'ai des news, j'hésiterai pas à en refaire une vidéo les gars, pour vous tenir au courant. Comptez sur moi. Bon allez, je vous fais plein de gros bisous. C'était Sim Spooky.